Salut tout le monde, Mitra Pneuma Nintendo Alert et on se retrouve aujourd'hui pour un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Et pas n'importe quel vu qu'on progresse dans l'histoire principale, chapitre 7. Donc là on a obtenu le vaisseau ultime qui va beaucoup plus vite, ce qui va sûrement aider à bien ouvrir la map de Cadencia. Donc c'est parti. Je sais pas trop où on se situe là dans le chapitre 7. Milieu, j'en sais rien. Bref. Cloaking activated. No issues yet. Are we sure this is really gonna work? They're not gonna like open fire when we get too close. Maybe I shouldn't be here, if it ends up working to our disadvantage. We cross bridge when we get to. Anyhow, we small targets, so we'll take every bullet. Riku, you don't seem to be taking this seriously. If worst comes to worst, we'll try to draw the heat for you. That'll take the wind out of their sail. Okay. Hey, what's a sail again? We've made it this far. Just quit worrying. Go with the flow, yeah? Spark's sake, talk about carefree. It's go time. Full power to engine. There'll be a little drop, so make sure to hold on tight. Wait, what drop? Sympa comme attraction, ça. Les temps de chargement toujours aussi courts. So you've come, Ouroboros. On a bien fait de se casser la tête à aller chercher les 6 fragments pour qu'ils nous voient dans tous les cas. Hold on! Something's coming!
allies? If they lost the plot? You alive? Monica! Just barely. They dropped one of our ships. How are you? We're holding out here. Bastards. I can't believe they're firing at their own. I thought we were the only ones they wanted gone. Yeah. If this keeps up, they're as good as raised the entire world. They're all about life, aren't they? As long as they have Origin, they can keep on making more of us. For them, this might just count as charging up, reveling in the final glimmers of our life. They want us to flicker out. When the last light fades, they're planning on starting over. In a world without us. That's all kinds of messed up. Please don't look there! Pas triste de foutre une raclée à Z. Hein. Il est insupportable. Ça me fait tellement penser à Matrix par certains aspects.
quoi ce truc? Une grande machine, hein. Sur une espèce d'oursic en mode machine. Origin. Almost like a Pharonis, huh? The original Pharonis. This one's the first. Not just first. I think all Pharonises derived from this one right here. Ça a pas l'air ultra chaleureux, hein. Bon, ben nous voilà à Origine. Wow. So this is what it's like on the inside. It's all just machines and more machines. I also see trace amounts of the black fog. Hey, this metal. It's like Noah's sword. You're right. It is the same. Mio, you know what's in here? Sorry, no. Whenever we teleported, it was always to a large dim room. I think that was Zed's doing. To keep the location secret. Wow. Guess we're searching the old-fashioned way then. What about the other Mobius? Anything? About that. It's odd. It's like they're right here beside me, but also far away. I feel like I'm surrounded by them on all sides. Well, this is the enemy base and all. Kinda makes sense. Or maybe. Huh? This whole place, floor, walls and ceiling, everything here could be Mobius. Bon. Is it them? No. The transmission pattern's different. It's feeling. It's like it's calling to us. You think it's the Kavesi Queen? Maybe. Where then? Can you tell? Sort sa baguette de sorcier. Ok, donc à mon avis, on va avoir énormément de choses à découvrir. Alors. Hey, do we wanna rest?
sais même pas là s'il y a des niveaux à monter ou quoi que ce soit. Ça a été beaucoup de cinématiques. Ah, quand même, 82. Ça, c'est le sujet d'une vidéo très très prochaine pour monter les gemmes niveau 10. Je sais pas trop ce qui nous attend là, beaucoup de combats ou énormément d'exploration, je sais pas du tout. À mon avis, il y aura des il va y avoir des monstres hein. Et ça me fait penser au chapitre que j'ai le moins aimé dans le 2. Moi, dès que c'est trop futuriste, avec plein de machines partout, j'aime moins. Hein. Après, là, évidemment, hein, faut pas rêver. Hein. Ça va être que des machines, forcément. Sword of the End. The endless now is under threat of being cut short. Could you do it, I wonder? Could you slay the one? Sors comment ses cheveux font pour rester comme ça à la verticale. Zéro intérêt, il a pu mieux. Ouais. Now, we wait.
Ça fait très Horizon Forbidden West là, je trouve. Hein. Enfin, les graphismes moins sympas et les temps de chargement plus longs. Je sais pas si les mobs vont être tous violés. Alors, un fiac. Ah, miot. Ah, flac. J'ai lu fiac. Ah, c'est pas un fiac, c'est un flac. Désolée, j'ai beaucoup joué aujourd'hui. Quand je suis fatiguée, il m'arrive de rigoler pour rien. Alors, les flaques et les mio, je sais qu'on a besoin de certaines pièces pour passer les gemmes niveau 10. Donc, donc on va pas se priver de les buter, hein. Par contre, j'ai jamais vu un Xenoblade Chronicles où les gold, l'or, et aussi ça aussi peu d'importance. Hein. Moi, je crois, franchement, n'avoir quasiment rien utilisé. Hein. Là, c'est full doublons nos ponts, hein. Totalement. Je crois même n'avoir jamais regardé combien j'avais d'or. Hein. C'est dire. You
un élite. On a bien compris qu'on allait devoir se battre de nouveau contre Mobius N, hein, c'est-à-dire Noah Mobius. Pour le moment, les mobs, c'est pas dingue, hein. Tous la même couleur. L'impression de toujours rencontrer les mêmes. Alors, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait là, les fragments que garde doit être une quête. Je vois. Je parle du fragment, c'est ça quoi. Fragment étrange, carré,
Il a de toutes les formes. Là, à l'instant T, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Bon, ça va être révélé tôt ou tard. Hein. Peut-être à la fin. Il faudra mettre tous ces fragments, j'en sais rien. Ah, bon, ça, ce sont des nouveaux. Ben, les Vokus aussi, on en a besoin pour les gemmes. Hein. Moi, j'ai toujours espoir en fait qu'on parle du troisième Aegis et que justement ce soit lui qui ait foutu ce bordel entre guillemets. Hein. Vu qu'il était perdu, why not hein. Parce que bon, ils ont quand même fait le lien entre le 1 et le 2. Je vois pas de raison pour qu'il n'y ait, pas de lien entre le 1, le 2 et le 3. Clairement pas. Il y a Melia, il y a Nia. Il va y avoir un lien, mais alors lequel ? Parce que si les mondes sont entrés, paf. Du coup, les mondes n'ont pas vraiment fusionné au final. Hein. Il y a une sorte de collision. Mais il va falloir qu'on nous explique quoi. Pourquoi, comment. Si les mondes entrent en collision, c'est pas sans raison quoi. C'est qu'il y a un conflit quelque part. Hein. Ah, c'est ce qui arrive, hein. Ma curiosité est un vilain défaut. Mais bon. Bon, j'ai déjà eu mon équipe plus en forme que ça. Hein. Tape 3 uniques niveau 66. Car l'ouroboros de soins est d'une lenteur. Ils ont tous le temps de crever 10 fois hein, avant qu'elle fasse quoi que ce soit. Ouais, évidemment, c'est l'enchaînement.
De toute façon, à croire que c'est qu'ils le font exprès. Il montrera jamais si j'attends qu'il passe les 150. Hein. Par contre, il va m'atteindre le 100. Hein. Je ne m'attendrai pas. Dommage, ça n'a pas réactivé le maître. Ça a réactivé le maître. Dommage. T'es pas loin des 200, mais... Ah. Bon, un de fini. Il en reste quand même deux, hein. Ah, c'est toujours un sacré bordel à l'écran. Mais après, je crois que la rétine s'habitue à ce cirque. C'est au début que c'est un peu compliqué. Après, on s'habitue à ce joyeux bordel. Allez. Bon, ils étaient pas souvent si simples hein, quand ils sont à 3. Ça tabasse, hein.
Okidoki. Bon. C'en est fini. Ouais, ça fait vraiment, vraiment penser aux deux quand ils ont escaladé l'arbre monde et qu'ils se retrouvent là dans cette ambiance ultra mécanique. Encore un flac. Des flaques un peu partout, hein. Je regarde en même temps ce qui drop parce que je sais à peu près ce dont on a besoin pour passer les gemmes niveau 10. Sachant qu'il faut 30 pièces de chaque. Niveau farm, ça va être corsé, hein. De trucs Android. Rien d'iOS. Ils ont fait leur choix, eux aussi. J'approuve. Thank you.
Ok. Je sais que ça peut paraître rébarbatif, mais faites-les parce que dans tous les cas vous en aurez besoin, comme je vous l'ai déjà dit, pour vos gemmes. Donc autant les faire là sur place, parce que dans tous les cas vous allez sûrement revenir. Ce qui est pris n'est plus à prendre, hein. Même si clairement, hein, vous avez envie de progresser dans l'aventure, j'ai envie de progresser dans l'aventure. J'ai envie d'avoir des réponses à mes questions. Qu'est-ce que ce truc bloqué? C'est bloqué? Ouais. Dans une pièce, on a trouvé une clé quelque part ou un truc électrique pour le faire fonctionner. On était la phase d'avant sur la quête de héros de Noir, il y avait quasiment pas de combat, et là on se retrouve, c'était sûr, hein, qu'on allait être agressé à chaque pas. Hein. Pensez à toujours bien aller vérifier les accessoires quand vous changez de classe, parce que ça les enlève tous, hein. Faut avoir plusieurs fois. Ouais, on aggro tout le monde, hein, comme ça. Ça fait un carnage beaucoup plus propre.
to get to those doors from here. Ils sont pas durs à battre, hein. Par contre, il y en a vraiment beaucoup. Après, je pense qu'ils sont peut-être, ils sont aussi là pour que les gens puissent un peu farmer aussi des niveaux avant d'arriver à déco. Ah. Amil l'insidieux. Allez, let's go pour l'enchaînement. Ah, alors là, j'avais pas vu que le maître était, était à zéro. Mince. Bon, après, il nous pose. Pose pas plus de problèmes que ça, hein, cette unique. Hein. C'est juste qu'il est un peu plus long, forcément. Et puis bon, on est à 148 à 2%, quoi. Ça, c'est un enchaînement vraiment dégueulasse. Mais bon. Franchement, le maître, je le mets dans mon. Dans ma tier list. Hein, des meilleurs héros. Je sais pas ce qu'il en est pour vous.
Quel est celui que vous mettez tout le temps dans votre team? Moi, j'aime bien le maître. Soigne bien en enchaînement, il est bien aussi. D'ailleurs, là, quand on l'a quand on l'a pas en enchaînement, ça se sent, hein. Ça fait mal. Voilà, c'est un enchaînement tout moisi. On oublie. Le maître est toujours au sol. Voilà. Bonne chose de faite. Même quoi? Fragment étrange. Sur de survie. Mono-œil. Ferraille. Bon, des choses dont on a besoin, de toute façon. Une petite frayeur là. Ok. Il a l'air plus imposant que les autres, celui-là. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que c'était un truc de ravitaillement, mais non. C'est une machine pour enlever la sécurité, là. Bon. Bon, il va pas nous lâcher, hein. Ouais. Même si tu vas avancer en te disant c'est bon, j'ai assez buté de ces mobs là, il te lâche pas trop, hein.
Bon. La fatigue, je crois. Faut dire que là, on se tape vraiment énormément d'ennemis et toujours un peu là, les mêmes mobs. J'avoue que là, je commence à fatiguer. Je serais pas contre une petite progression dans l'histoire là. Ce cinéma qu'elle fait au nid à chaque fois qu'elle tombe. J'ai rien contre les flaques, hein. C'est juste que là j'ai l'impression que ça fait au moins 30 minutes que je me tape les mêmes mobs. Bon, même si on a besoin pour les gemmes, voilà quoi. Ok, allez. On a pas le choix, hein. Peut-être qu'on va avoir de nouveaux mobs là. Je crois encore voir un flak là-bas, je peux bien sûr. Je sens que c'est un flak. Hein. Ça c'est moi je lâcherai pas l'affaire là-dessus. Hein. Je trouve qu'ils se sont. Bon, le jeu a énormément de qualité, mais alors ils se sont pas foulés sur les ennemis. Hein. C'est ultra redondant. Hein. Dans le 1 comme dans le 2, voilà, chaque nouvelle map, chaque nouvelle colonie, chaque nouvelle. Enfin. T'avais vraiment. C'était super varié. Là, j'ai l'impression de me battre vraiment contre. Contre les mêmes mobs, hein. Mais c'est pas qu'une impression, c'est la vérité, hein. Du coup, t'as qu'une envie, quoi, c'est progresser, hein. Là. Au bout d'un moment. C'est que ça, quoi. Y a pas de cinématique, y a pas de moment clé. Là, tu te bats contre les mêmes mobs à la chaîne. Bon, je pense qu'il faut sauter sur une des plateformes. Il y a un truc avec ça, clairement.
Qu'est-ce que ça t'apporte, je vois. C'est à port de de tomber. De toute façon, il faut progresser comme ça. Bon. Il faut trouver un moyen d'inverser le sens des rotations. Je crois qu'il est là le moyen. Encore un flac. Avec tout ce qu'on a buté, je me demande si on n'a pas gagné un niveau. Alors que c'était des niveaux 60 et quelques. Hein. Donc, peut-être que non. Et si. Faut dire que c'est une tuerie. Malheureusement, je crois qu'on va pas y échapper, hein. Car il nous suit, hein. Il ne lâche pas.
Ok. J'espère que c'est ultra utile. Je vois un conteneur là. Je pense que ça a dû changer le... Ah là là! Qu'est-ce qui me saoule, c'est... Est-ce qu'ils sont pas foulés sur les mobs? C'est un gros point négatif. En plus, c'est un unique. Il est level combien? Bon, il va prendre un peu de temps. Hein. Ah, je pense franchement, quitte à me répéter, ils auraient pu faire un effort là. Hein. Quand même, hein. Ils foutent autre chose que les, allez, 3-4 mêmes mobs qui d'ailleurs se ressemblent tous. Allez, let's go. Enfin, personne n'est mort. J'aurais pu faire 150, hein, mais non. Au moins ça a réactivé le maître.
faire. Bon, ah, bon, ils ont daigné nous mettre de nouveaux mobs. Parce que j'avoue que c'est pas trop tôt, hein. Ah bah, il y a un unique, là. Bon. J'adore continuer à progresser, mais là j'avoue que j'ai un petit coup de barre. Et puis c'est très très long là, et je pense que ça va continuer. Donc je fais un petit break, et puis je vous dis à très très bientôt, bah, pour la suite de la vidéo, la suite de l'histoire principale. Bye bye les amis.